Ouvrez vos micros là, dès. Bah oui. Dans son live. Mais on ne sait voilà. pas qui a plus ce qui. C'est ça, il dit allons-y. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne renchérissent pas sur Love Gugu. Moi, je n'ai pas fait de renchérir sur elle, elle flue. Moi, je ne sais pas quand même. Ah, mais on dirait que les gens ont peur. Quand moi, je veux pas. Tu sais, dans elle flue, c'est parce que je n'ai pas vu son poste. J'ai l'impression que les gens ont peur de la malédiction de Love Gugu. Non, attendez. Parce que les gens ont peur de la blacon. Attends, elle flue. Attends. Mon bébé, elle a fait un post, c'était en vidéo ou bien c'était juste un post seulement écrit? C'était pas en live. Mais qui a enregistré ça? Tu vois, c'était live, non? Moi, c'est ton live que j'ai eu tout à l'heure, en tout cas. Moi, je vais écouter, hein, parce qu'il est renchéri, je dois bien savoir de quoi la papa. Moi, je n'ai pas vu. Je suis arrivé en retard. Mais j'ai l'impression que les gens ont peur de la blanco, même ça. Influencé. Influencé. Même chose. Oui, gars, je suis d'accord ici. Et comment elle appelle l'or? Love Gugu est sortie. Elle dit Sylvia va. Elle va dire Sylvia. C'était en quelle année? Elle a dit Sylvia. Elle, bon, elle a dit c'était l'année passée. Hein. Dans l'année passée. Même elle a dit. Dans quelle date? Quel jour Sylvia est douf? Bon, depuis là, Sylvia n'a pas encore douf. Bon, Sylvia aussi, elle est douf. Elle a reçu 15 jours. Il y a l'impression que Sylvia, c'est un requinqué même. Bizarrement. Donc, depuis, elle a dit Sylvia est douf. Là, tellement Sylvia aussi est têtue, elle ne veut pas douf. Donc, elle, son enrichissement là. C'est pas comme si elle soit à blanco là, nous on peut pas porter ça aussi. Donc pour elle là, on doit pas. Il y a Marie qui a ça, mais je vais écouter. Attendez, que... là il y a bien un chéri. Ah, ok. Si Marie donc, est prête, elle a une chambre, elle a une chambre sacrée. Elle a une chambre sacrée dans laquelle tout le monde passe. Mais d'accord, dis quoi, ça va? Attention, on voit le cœur. Suivez la fille, le bureau, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Moi, elle a dit que ça reste à moi là, je mets tout. Pas. Pas lui, elle s'abouche, c'est pas tranquille. Ça bouge, c'est pas tranquille. Elle a dit 6 mois. Je dépose tout. Oh honte! Oh honte! Votre vie n'est pas propre, votre vie n'est pas parfaite, mais c'est vous qui passez votre temps à parler de la vie des gens. Tu as vu le karma? Kai Blum, là, c'est un enfant de Dieu. Il a laissé le monde obscur. Kai Blum, il a laissé le monde obscur pour venir à la lumière. Même s'il a fait quelque chose, toi, tu n'as pas venu l'insulter. Tu n'as pas venu parler de lui comme une merde. Aujourd'hui là, ça t'a laissé à l'aéroport. Vote de 17h. La police a fouillé tout ce qu'elle a, son argent. Ils ont tout pris. Là, là, il est parti comme ça. Hein. Vous n'allez pas le voir moi pendant 6 mois. La plainte a été posée. En tout cas, je ne sais pas ce que son avocat va dire. Ou bien ce qui va se partager live là. Oh, vraiment, vous aussi. Hein? Là, je m'apprête à aller chez mon coiffeur pour me coiffer. J'ai dit, quand il y a eu le bénin, il a laissé coiffer sur ma soeur. Il a dit, oh, c'est vrai, oh, t'es mais je vais son bénin, mais je vais pas pousser que je vais venir faire live avec ça. Donc, j'ai mis moi ma photo parce que j'aime pas mes photos déjà. Hein. Seigneur, ta grâce. Ou bien, où est-ce qu'on fait, non? Je sais ce que je fais, j'allais me coiffer, je vais revenir. Non, je vais pas mettre sa photo. Mes photos de 15 Blum. Je vais mettre mes photos de 15. Dites-moi ici, c'est mieux mes photos de 15 Blum, non? Partagez ta photo, s'il vous plaît. Regarde. On a 3 partages. On peut faire ça. 3 partages au moins. 3 likes, 3 partages. Tapotez, s'il vous plaît, mes doudous. Écrivez ici. Non. Continue. Mais partagez alors dans ce cas. Faut pas aimer la photo. Faut pas aimer la photo. Écrivez, partagez, tapotez, je sais pas moi. Attends, mais j'envoie ça à décider. Attends, mais j'envoie à décider. Puisque moi, je suis pas coiffé, donc je vais pas faire live normal. J'envoie ça à décider, non. Attendez. Oh, Jésus, mon téléphone. Je vais aller me coiffer sans voiture. J'ai des sans voiture, il faut pas que tout le monde me coupe au Seigneur. Répondez-moi. Je vais me coiffer, je vais faire le live.
Vous êtes comment même? Et il n'aura pas d'avocat, il est en prison. C'est bon. L'audio, on a tous écouté l'audio, on a entendu bien l'audio, on a capté l'audio, on a kiffé l'audio. Ah, c'est tout ? Voilà ce qu'elle a dit dans l'audio. Et moi, là, moi, ce que moi je l'ai dit, est que il est 22h à Paris, à Abidjan, il est 20h. Et donc, chose qui était à 17h, que, comme quoi, Scotty a pris le vol à 17h pour Abidjan. Ok, si là, pour nous, hein, nous qui sommes sur le panel ici, nous on dit, si Scotty a volé un parfum réellement à Paris, c'est pas possible qu'on le laisse prendre l'avion, aller en Côte d'Ivoire. Si réellement il a volé un parfum, on le prend, on l'amène en garde à vue, ou soit on l'amène là où on peut l'amener. Mais dit que le laisser prendre son vol, aller à Abidjan, c'est impossible. C'est ce qui nous, ici, nous avons dit, et c'est ce qu'il faut pas, j'ai dit, nous avons dit, hein. J'ai dit, moi, c'est ce que moi j'ai dit. Et donc, maintenant, si Scotty, comme on l'a dit, réellement, s'il a volé le parfum, ou qu'il n'a pas volé le parfum, tous ces échos, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la toile, il va arriver à Abidjan, il va allumer sa caméra, pour dire, voilà ce qu'ils ont dit sur moi. Scotty, c'est pas un enfant. Et aussi, des personnes qui sont sorties, a dit que Scotty a volé les parfums, Scotty a fait, ce sont pas des enfants. Voilà, ce sont pas des enfants. Si c'est vrai, tant pis. Si c'est pas vrai, ils auront les plaintes, ils auront là où ils vont aller s'expliquer. Et donc, nous, ici, pour moi, ce que moi je peux dire, 21h d'Abidjan, Scotty, son vol doit atterrir. Ça doit atterrir. S'il est vraiment dans l'avion, hein. Il y a deux cas. S'il est vraiment dans l'avion, son vol va atterrir. Mais s'il n'est pas dans l'avion, c'est qu'ils l'ont gardé. Pour ne pas peut-être trop polémiquer sur la chose, peut-être ils l'ont gardé. Mais s'il est dans l'avion, il va atterrir. Il va atterrir à 21h de Côte d'Ivoire. Le temps de faire, comment on appelle, cacheter le visa ou bien vérifier les passeports, tout et tout. On connaît l'aéroport d'Abidjan, tout et tout. 22h, 23h, minuit, il va sortir de l'avion. Il va sortir de, comment on appelle, l'aéroport. Il va arriver chez lui, le temps de s'installer, tout et tout. Il va allumer sa caméra. S'il doit allumer sa caméra, c'est intervalle minuit. Je dis bien intervalle minuit. 0h. Voilà. C'est intervalle 0h. C'est-à-dire que, disons 0h là, il va allumer sa caméra. Moi, c'est ce que moi, je sais. C'est ce que moi, j'ai dit. S'il allume sa caméra à 23h, il n'y a pas de souci. S'il allume à 22h, il n'y a pas de souci. Mais moi, il dit intervalle minuit. Maintenant, s'il n'y a pas une sortie de Scotty qui est dans l'intervalle de minuit, ou le lendemain, parce que la journée commence à minuit, ça se termine à minuit. Si on voit pas l'interview de Scotty à minuit, comment appelle, et le lendemain, c'est que Scotty a été mis au garde à vue. Donc, voilà ce que moi, je voulais dire. Intervalle minuit, hein. Je sais pas, dit minuit. Il dit minuit. Ah, Glaga. Je vais vous parler. On souffre aussi un panel de glagla de hey Dieu. Voilà. Donc, il faut que je les change d'influenceur. T'as dit, en 2025, il nous faut de nouvelles modératrices. La même fois, mais pour moi, c'est une modo pépon. Moi, il y a des gens qui ne pourront jamais être modo chez moi. Sarah Mandé. Quand ils sont déchirés. Voilà, la même influenceur, c'est pour moi. Parce que moi, c'est tellement impatient qu'elle m'a mis en fait. Sarah, elle est rapide, hein. Sarah, et puis Lams, ah, Lams aussi, est très bonne moto. Guess, lui, il est fort pour faire descendre. Mais Sarah m'a demandé, influenceur, hier, tu n'étais pas là. Je crois que tu étais un peu occupé sur ton panel. Et ils sont venus renchérir dans une affaire. Tu as dit à Sarah de gérer, non? Elle dit, OK. Ouais. Quand tu es parti, hein? Elles sont là, elles renchérissent, elles renchérissent. Elle dit, OK. Renchéris, hein? Après ce que tu as dit là, je vais renchérir là-dessus. Il a dit, ouh, c'est quel moto, ça? Mais il y a un moto qui veut renchérir plus que. Non, mais il donne la parole. Fois, mon, elle fait ça à chaque fois.
Elle renchérit, mais elle accepte la contradiction. Il y en a, ils vous bloquent, mais elle accepte la contradiction. Je suis perdue, Damien. Moi, il y a cette Nara. Il y a des cas d'envie, il y a des cas d'envie. Oui. Vous avez retenu ce que j'ai dit. J'ai dit intervalle minu. Je n'ai rien compris même de quoi il s'agit. Puis l'avion de Guess veut décoller, décolle pas là. Attends, il y a ma mère. C'est moi qui lui donne le CR. Guess, calme-toi. Calme-toi. T'as apporté le live. Mamoun. T'as apporté le parce qu'on va voler parfait. Ouais, c'est que bon, attends, il y a l'expliqué, c'est quel comportement ça? Bon, Black, vas-y. Et puis, t'as fait un raccourci, hein. Je t'ai dit, hein. Maman, dis pas que moi, j'ai volé parfum. Non, il y a sa foule, l'information est un peu mal donnée quand même. C'est Scotty quand même. Voilà. Dire, tout simplement, il paraît que Scotty. Merci. Mais faut pas dire. Il a dit, tu as qu'un problème. C'est moi, je lui explique. J'ai dit, on elle explique que... raccourci. Elle a dit, qui a dit ça? J'allais dire que c'est long. Faut faire long, ce qui est court. C'est quel problème? Faut faire pas abrégé. Je blague là. On dit que Scotty a volé parfum. Love Gugu, Choco, Tamira disent que Scotty a volé parfum. Deux parfums. Un Dior et un. Quoi la même Guerlain? Guerlain, collection privée. Édition privée. Collection privée. Il a volé. Donc la police l'a suri à l'aéroport. Priva aussi est sorti, Priva de ma bio là. Il dit que Satan travaille dans le magasin. Où on est là, on a assis par terre, la toile est sécurisée. L'avion me voulait découler. Il dit que c'est sa tante qui a vu les vidéos, ma. Influi dit c'est sa tante même qui a vu les vidéos. Ah, c'est sa tante même qui a vu les vidéos. Elle aussi beaucoup. C'est elle qui a examiné la vidéo. Non. Et puis elle a appelé pour lui dire, et quand elle lui a dit le nom là, ne lui disait rien, et quand il a vu sur les panels, la dame l'a appelé pour lui dire, la dame l'a appelé pour lui dire, ah c'est de lui là que je parlais, ça a commencé à prendre la toile, c'est là qu'il a fait le lien avec Scotty et tout et tout. Non, moi, il débousse le boulot. Est-ce que vous savez que Glagla est robe avec Scotty? J'espère qu'il n'a pas volé, sinon. Il a volé quand? Par rapport à 17h, le vol de 17h de la France, oh, il était à l'aéroport. Oui, à l'aéroport. Il a volé au free shop. Oui, au free shop, après les contrôles. Où parfum moins cher là. C'est ça, c'est là, c'est là. Oui, mais où il n'y a pas de taxes là. Mm-hmm. Mm, Scotty. Bon. Il n'a qu'à arriver à Bigan d'abord. Mais est-ce qu'il va arriver à Abidjan? Oui, on attend. Il doit atterrir. Il a atterri à Abidjan. Il a atterri de 1 d'Abidjan. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà, d'après Love Gugu, non. Aujourd'hui, là, on va veiller. Tant que Scotty ne parle pas, on est là. Moi, il veille aujourd'hui à Gaudi Pesco. Ah, oui, on attend. Attends, je vais mettre là-bas. On attend Scotty. Oui. Si Scotty a voyagé en classe éco, il n'a pas Wi-Fi. Il ne sait pas ce que c'est. Ah, moi, j'ai dit c'est business class. Il doit répondre. Ah. Mais s'il est en business class, oui, il a le wifi. Ah. Mmh. C'est classe éco, c'est classe éco, c'est pas business class. Donc il n'est pas au courant qu'il classe a volé. Classe éco, ah, c'est qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Exactement. Il n'est pas au courant. Mmh. Air France, en classe éco, il y a le wifi. Hein. Non, Evelyne, dans l'amusement, là, nos panels sont doudés. Nos panneaux sont les plus sublimes au monde. Mais est-ce que c'est Air France? Attends, à 7h, 17h là, c'est pas concert. Plus Priva a rajouté que Scotty. Est-ce que c'est pas concert? Vous êtes sûr que c'est Air France? Priva a rajouté. Ils ont dit quel aéroport? Comme ça, je suis. Il a dit Roissy Charles de Gaulle, non? De Gaulle. Ah, Roissy, c'est Air France. Charles de Gaulle. Ouais, c'est Air France. Corsair, c'est l'autre côté. Corsair, c'est Orly. Orly 4. Orly 4. Même à Influx, Priva a rajouté un truc, hein. Priva a rajouté, il a dit que quand ils l'ont attrapé dans. Parce que je pense qu'ils ont regardé la vidéo qu'on avait déjà embarqué. Il y a vol Air France au Roissy. Ah, en tout cas, et puis. Ah, c'est ce qu'il a dit. Le vol est arrivé à 18h là. Non, je ne pense pas. Il y a deux vols. On peut mettre la vidéo à 17h. Influx, le vol qui quitte à Paris à 13h. 13h et K ou 13h20, je ne sais pas. Il arrive à 17h à Abidjan. Snapper à Charles de Gaulle dans les commentaires. Hmm. Non, les commentaires, vous êtes là. Donc, vous connaissez. Mon vieux père dans l'avion, avant son décollage, on a parlé. Il m'a dit, mon petit, il arrive. Donc, calmez-vous. Pourquoi vous êtes jaloux? Calmez-vous. Toi-même, façon, il t'a dit, il arrive à même. Pourquoi ton cœur va plus dormir tranquille. Mamoun, attendez. Attendez, moi-même, ma source m'a dit qu'elle a l'aéroport, la vente de guetter. Donc, j'attends aussi.
Voilà, la mère t'inquiète. Je suis là pour défendre mon VPN. Moi, je suis avec vous, au fait. Je défends mon VPN à 100% même. Non, voilà. Mais le mec bio. Mais sans vous frustrer, quoi. Voilà, dans le respect surtout. Non, il n'y a pas de frustration. Si quelqu'un est frustré, il y a quatre motos sur le panel, on te jette. Il n'y a pas de frustration. J'ai dit, toi, tu dis que non, la gars s'est calmée. Moi, normalement, si ma personne influe, est dans l'avion, et puis quelqu'un dit qu'elle a volé parfum, et puis je sais qu'elle a pas volé parfum, je vais pas guetter sur panel, je vais pas veiller sur panel des gens, je dors pas tranquille. Mais il est quelle heure? Il est 20h19 à Abidjan. Va au restaurant, oui, mais je dois écouter un peu ce qu'on dit sur mon vieux père, là, conscient. Mais tu peux écouter sans être assis, elle a la Mais je réponds si jamais. Maintenant, après, si tu veux me faire descendre là, voilà. Non, parce que c'est comme ça. Parce que je ne suis pas avec vous, tu vas me faire descendre. Non, elle oui, là. Je vois que c'est de ça, c'est là que tu veux venir. Non, c'est pas ce qu'elle va dire. Elle est d'accord. Moi, je suis là, j'ai dit que j'étais à 100% SCO. Tu ne connais pas la mère Glagla? C'est mon droit, non. Si, je la connais. Ah, tu connais ma mère? Ouais, c'est ma mère, hein. Il a dit. De toute façon, quand tu l'as parlé là, si Pilou vient, elle t'est jetée. Non. Ah, vous dites elle avait Pilou encore? Ça fait plus Pilou, le nouveau fils de la mec, Glagla. La mère, si Pilou vient, si tu peux pas jeter mon coéquipier. Non, on est là pour défendre. Glagla, même toujours, toi, t'es bon petit. Mais c'est fou, toujours des bons petits. La mère, c'est de nous, moi aussi, j'ai jeté la mère. C'est de fou, non. C'est qui, hein, jeté? Qui a parlé là? Moi aussi, là pour notre mon vieux père. Non, on est là pour notre vieux père. Il est dans l'avion, il vient. Les deux qui parlent, ils t'ont envoyé pas moins. Il voit que t'es à 0 sur 25 là. Non, si ça verrait même que c'est vrai, Baoué même c'est rien, mais nous m'avons envoyé Lyon. Moi, nous pas même si c'est vrai, je vais le défendre. Moi, on a vu ici pour ma bio. Comment tu peux le défendre? Voilà, nous on est sûr à 100% que là, c'est pas ça. Ils n'ont pas la bonne information. Motion, s'il te plaît, le feu. Motion, Chic Priva tout à l'heure, là, quand il a fait sa vidéo, il a rajouté que quand ils ont dit le vieux Pescotti dans l'avion, ce ne sont pas mes propos, c'est les propos de Priva. Hein. Il dit que le vieux Pescotti dit lui, il n'a pas volé, qu'il va payer les parfums à l'arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Non, non, il dit qu'il l'a attrapé. Il dit que, mais, ah, j'ai pris, oh, il y a tout, je vais. Non, il n'a pas dit Abidjan. Il dit qu'il l'a attrapé. En tout cas, il a dit qu'il n'a pas pris, il va payer. Il dit que Marie, Marie, joue l'audio, s'il te plaît. Comme Glagla vient d'arriver, les autres viennent d'arriver. Joue l'audio. Le chip privé aussi, c'est là. Gardez ma place, je reviens, je veux aux infos, je reviens. Gardez ma place. Ok. Marie, tu peux jouer l'audio, s'il te plaît. Je vais attendre, rechérir un peu les barons. Je cherche et puis je mets. Ok, je suis VIP, si elle ne donne pas ma place à quelqu'un. On a compris qui nous dit. Tu sais que si on vient, on peut être descendre, nous, mon corps, pour te faire monter la mer. Voilà, tu as bien parlé. Voilà, je reviens. Comme j'ai dit, il y a des informations venant de Choco Altamira qui a lavé ses mains de 2020 pour dire qu'il y avait la cave à mourir. C'est monsieur qui a mis des fausses informations. Moi, je ne le crois pas. Mon cerveau refuse. J'ai revu encore chez qui l'homme du goût. C'est Choco Altamira qui est venu parler de Eza Akelino. Tu as trouvé l'audio, Marie? Oui, je mets. Ok, vas-y. Oui, vas-y, Marie. Table dedans. Les citoyens sont devenus des voleurs de parfum à l'aéroport. Mais c'est ça qu'il y a ma tante qui m'appelle. Parce qu'elle travaille à l'aéroport, Charles de Gaulle. Elle est privée, elle dit oui. À l'aéroport. Elle avait un Ivoirien qui a volé deux parfums de la collection privée du où je travaille. J'ai dit comment ça. Elle dit ça, elle le fait descendre. Elle a même dit le nom, il a pensé à une autre personne. Donc c'est tout à l'heure, elle me rappelle. Elle dit tu as vu ça pour les raisons. Hein. Donc il y a même dit attends, c'est notre vieux maman là qui est parti voler le parfum. Elle dit oui. Que c'est elle-même qui allait regarder, donc comment on appelle ça, dans les vidéos surveillance, parce qu'elle est dans les rayons, et il a payé un petit parfum. Elle s'en va visionner, elle voit que dans les rayons, il y a deux parfums de la collection privée de Dior qui montent. Pourquoi elles sont les rayons, elle sait si c'est sorti. C'est dans celle où elle s'en va à la vidéo surveillance, elle voit que le vieux moment, il a payé un seul parfum, cependant, il avait volé les deux autres parfums qu'il a cachés. On s'en va à l'avion, en plein France, avec le repas Charles de Gaulle, pour dire qu'il y a un Ivoirien qui a volé deux parfums de la collection Dior qui ne coûte même pas, un parfum coûte même pas 800 euros. Et on fait descendre, on te fait descendre de l'avion au nom d'un Ivoirien. Et ce qui me fait rire, c'est que on te fait descendre, au lieu de négocier les policiers en bas, tu oses dire dans l'avion que toi tu as volé, mais tu vas payer maintenant. Mais si tu devais payer la tête depuis le magasin, tu allais payer. Pourtant, c'est qu'il n'y a pas plus grand qu'à 20 ici, quand ils ont mis là dans le prison. Nous, nous sommes en soutenu, tu as fait ton live, tu dis oui, je déplore
le vol et tout, et tout le monde me dit, bon, c'est vrai qu'on était un peu dans l'émotion. Il dit, mais vieux, moi, il n'a pas menti aussi. Je viens aussi à ça. Tu viens donner conseil pour dire, tu es contre le vol, on t'attrape pour dire, on t'a volé. Mais attends, le langage qui dit, fais ce qu'il dit, ne fais pas ce qu'il fait là, c'est vrai. Non, mais ça là, c'est vrai. C'est dit, toutes les nationalités qui étaient dans le vol aujourd'hui à 17h, ils vont dire, les Ivoiriens sont des voleurs de parfum. C'est dit, maintenant, à cause de quoi là? Quand on va aller maintenant, peut-être en France, tu rentres même dans Dior, Dior même, ils vont braquer. C'est dit, dès qu'ils voient quelqu'un accent ivoirien, on braque quand même les caméras sur quoi. Décidez pas jusqu'à ce que je ne sais même plus quoi dire. Mais quand ma tante m'a appelé, ça n'est même pas encore plus les réseaux. Il y a des tiens, peut-être c'est un vieux ivoirien là-bas. C'est toi-même qui es la star, on te connaît bien. Tout le monde te connaît encore, tu vois ici. On dit, ouais, vieux, mais voilà, il est bon. On te connaît encore, t'es clash, tu gères. Là, là, tu es venu verser ta figure. Tout le monde, tout le monde aura bouche sur toi. En ce qui concerne la nationalité, là, nous maintenant, si les morts sont dit, les ivoiriens sont des couleurs de parfum, on n'aura pas nos bouches pour parler. Si on sait les vieux morts, ou bien l'année 2024, l'argent, chaque influenceur doit voler quoi. Si on sait. Ah ouais, je ne crois pas que tu as fait vidéo, tu as fait live, tout le temps tu comptes le vol, on a chargé. Il y a un moment dans ton live, je suis allé écouter comme cela. Et puis, aujourd'hui, on t'attrape, tu as allé voler deux parfums de la collection Dior. Deux parfums. C'est-à-dire, si on calcule là, ça ne fait pas 2 000 euros les deux parfums là. Voilà.